Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se trouve sur Dude Simulator. Donc Dude Simulator c'est quoi? C'est une simulation de vie, tout simplement, j'ai envie de te dire. Par contre, j'ai remarqué un truc en faisant la petite molette, on avait plusieurs armes et tout. Et là, attention, c'est de retour, et pourtant c'est pas Need for a Drink, hein. Je vous le dis, hein. Et c'est de retour. Donc c'est une simulation de vie, donc en gros tu fais ce que tu veux, hein. Voilà, c'est ta vie, et là on fait ce qu'on veut. Donc on va tester ça, c'est un petit jeu indépendant. Donc je l'ai mis dans les dans la barre d'infos. Bon alors déjà j'ai du pognon, ah j'ai du cash. Donc F pour ramasser, j'ai mis 10 ans à trouver la touche. Donc j'ai des PV. C'est quoi les étoiles? Hop, on s'instruit un petit peu, on va lire un livre. On va lire un livre sur le canapé, tiens. Hop hop hop. Ah, je suis obligée de monter sur le canapé. Au fait, on va allumer Netflix. Je me suis mis à Netflix. J'achetais pas avant le Netflix. Du coup, je m'y suis mis et franchement, c'est pas mal du tout. Il y a énormément de séries, c'est pas mal. Par contre, je suis un peu dégoûtée. Genre les séries Outcast, genre Once Upon a Time et tout, ça y est pas, ça fait un petit peu chier. Bon, alors, est-ce qu'on a quelque chose au frigo? Oula, il y a rien à bout. Bah c'est normal, tout est sorti aussi d'un côté. Faut ranger dans le frigo aussi, oh là là. Les gens sont des porcs. Hein. C'est pas vrai, quand je joue pas à Surgeon Simulator, je me retrouve à un jeu avec un jeu de façon où faut nettoyer. Donc on ouvre, oh, y a rien. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Bon, on va sortir. I think I'm big dog. Je suis un grand chien. Je crois que je suis un gros chien. Bon, allez, on va sortir. Oh, ah, j'aime bien comment c'est fait. Ah, genre, il y a les voisins et tout. Et Michel! 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 Il a une façon de marcher, le mec. Bon, là, on peut rien faire. Ah, je peux sauter dans la piscine? Yes! Ouais. Dis donc, c'est que je suis très très riche et j'ai un très très grand espace ou pas du tout? Bon, les palettes, on peut les ramasser et tout? Oh, pas mal. Attends, je vais en prendre une et je vais foutre sur la... Attends, on peut prendre les poubelles et tout? Oh, on peut ramasser les poubelles. Bon, impeccable. On va aller voir Mich Mich. Oh, il y a une bagnole qui est renversée. Michel! Oh, la jupe! Le truc qui... Attends, on va rien faire avec cette voiture. Ah, attends, si. J'ai vu un petit logo avec une petite main. Ah si, regardez, je suis dedans. Eh bah oui, mais je peux rien faire, du coup. Bah écoutez, je sors, je vais en prendre une autre. Mais c'est celle-là. Donc du coup, admettons, je pars chez moi, voilà. Je pars de chez moi, je me suis engueulée avec ma femme, donc ça y est, je m'en vais. Je m'en vais, hop, on se met côté conducteur. Hop là, allez, ça y est. Comment on démarre? Donc, ok... Comment on fait la... Parce que attends, là je suis tout en marche arrière. Hein. Ah, la marche avant c'est W. Oui, bon bah ça fait un petit peu yesh. Hein. Oh, du coup ça va être inversé. Attendez. Attends, Michel. Bon bah. Bon, c'est pas grave, Michel. C'est rien, Michel. Ah là. Oh là, oh là. Oh là, la caméra. Oh là. Oh, attends. Attends, on a un petit truc là. Est-ce qu'on peut monter directement? Oh, j'en ai rien à foutre, moi c'est quand même American Truck, hein, j'ai pas le permis, ça... Oh non! Attends, attends, hop là! Impeccable! Donne-moi ça, Michel. Hop, on sort de la bagnole. Voilà. Alors, attends, est-ce que je peux genre aller faire mes courses? Ah, c'est excellent! Oh! Excellent! What? Mais avec quel caddie tu fais ça? Moi, aucun de mes caddies, quand je vais en magasin, fait ça, hein. C'est Fast and Furious, tu t'éclates avec ton caddie. Par contre, j'aime pas le... Attends, on va changer le... Attends. Voilà. J'ai changé les touches, comme ça, je suis banco. Ah, merde. Par contre, ça... Oh, oh, ça donne envie de vomir, par contre. Attendez, je rechange les touches. Eh, je peux pas roter? Bang, Michel. Oh, il nous donne du pognon en échange. Ah, bon, bah... Oh, tu parles d'un simulation... Ah, attends, il va le voir ou pas? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ah non, ils en ont rien à foutre, ok. Bon, on va aller au magasin, on va voir. Mais il n'y a rien. Il est nul ce magasin, il n'y a rien du tout. Attends, peut-être de l'autre côté. Ah, attendez, il y a un burger. Ah, il y a un magasin de jouets. Attendez, j'y vais, moi. Mais tout est vide, on peut rien faire. C'est vide.
Oh non. Ah forcément, on s'ennuie, c'est vide. Y a rien. Bah tiens, Michel. Tiens. Oh, tiens. Tu veux le jouer au concours de tarte? Michel, fais pas le con, Michel. Hein. Voilà. Moi aussi, je sais viser, Michel. Hein. Incroyable, ça. Chat mal poli. Oh, tu veux jouer au karaté, toi? Paix. Oh, le petit... Oh là, attends, il y a le kung fu, là. Oh là, tiens. La double. Tiens, Michel. Voilà. C'est bon, là? Personne n'avait de pognon. Faut que j'enlève mon arme. Voilà. Comme ça. Oh, attends, c'est quoi? Il y a plein de mecs du kung fu, là. Attends, je me barre. C'est quoi? C'est des flics? Ah, attends, il y a un léger problème. Ils viennent de partout. Ah, oh, j'ai plus de munitions. Voilà. Allez, ça dégage. Oh non! Non, il m'arrête. Oh, je vois ma cam par contre qui lag. Je sais pas si c'est normal ou pas. Elle est en train de laguer. On verra. Si je vois que qu'au retour image ça lag. Oh, je sors de tôle. Mais non. Ah, je suis en... j'étais en prison et tout. Ah bah ils m'ont laissé mes armes. Bah d'accord. Ah bah paye ton utilité. Attends. Juste mettre la parole. Attends, il y a peut-être des gens dans la cellule. Hein. Ah! C'est quand je pourrais sortir. Ah bah ça va vite le temps. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Aïe! C'est quoi ce bordel? En fait c'est juste que je vais en tôle pendant 20 jours. Pour avoir tué... pour avoir fait un génocide. Super. Ben super. Mais il n'y a personne encore. Oh mais il n'est pas terminé ce jeu. Je veux bien parler de certains jeux, mais quand même. Hop. Par contre, je suis resté qu'il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit. Quand j'y parlais de certains jeux, c'est que je teste des jeux volontairement indépendants sur mes sites que je regarde, Alpha, Beta, Gamer, machin et tout. Et après, si ça me plaît, je teste. Bon, voilà. Ah, c'était le Comico. D'accord, ok. Est-ce que je peux... Police, département. Ok. Bon, bah alors, je suis sorti de chez les flics. Ah, attends, c'est quoi qui est ici? T'as pas grand chose à faire. Hein. En train de regarder. Attends, je vais peut-être surprendre ma femme avec un autre en train de me faire cocu. On peut s'asseoir? Non? Bon, bah ça dégage. Attends, je l'ai sur la tête ou quoi là? Ah là, elle est là. Ah, attends, on peut monter. Mais je crois que ce jeu est. En fait, est disponible sur Steam. Si je dis pas de conneries. À moins que c'est un autre. J'ai vu quelqu'un. Enfin, j'ai vu quelqu'un, non, en fait, quand j'ai tapé sur Steam, il y avait un jeu vraiment semblable à celui-ci qui était payant. Mais bon, après, si c'est vraiment ce jeu-là, c'est pas méchant, mais je vous conseille pas de l'acheter. Tiens, voilà. Je vous conseille pas de l'acheter. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu? Non. Je vous conseille pas de l'acheter parce que, en fait, je le trouve un petit peu décevant. Dans le sens où, voilà, c'est franchement, c'est cool, hein. Mais t'as pas grand chose à faire. Y a pas de trucs spécifiques à faire. Ah, bah, on va aller au bar, se bourrer la gueule. Ça aurait été drôle qu'il y ait des interactions, genre avec quelqu'un au bar et tout. Tu peux te défoncer avec la personne ou dans la prison, tu te mets des tartes et tout. Ça aurait été rigolo. Mais là, regardez, y'a personne. Regardez, je peux jouer en solo. Bonjour madame, une petite bière. Attention. Oui, s'il vous plaît, une petite bière. Je m'installe où? Ah, où vous voulez, ma bonne petite dame. De toute façon, y'a personne aujourd'hui. D'accord, ok, donc je me mets là-bas. Voilà, donc du coup, on peut... C'est quoi devenir schizophrène, en fait, le truc. C'est split, quoi, t'as 10 000 personnalités. Oh, du pognon. Ah bah, je ramasse, hein. Hop, en plus, trouver comme ça la petite liasse. Attends, je change les touches. Et là, voilà. Ah, mais... Faut que j'arrive à me souvenir que... Voilà. Par contre, ça te donne envie de vomir. Là, il n'y a rien dans les magasins, c'est vide. Même là, c'est vide, quoi. Bon, poussez-vous, monsieur. Oh, bah poussez-vous. Bah oui, c'est comme ça, bah poussez-vous. Non, mais oh, ça va, oui. Hot dog. Oh, attendez.
Oh, on a un parc à la Ark. Attendez. Je me parque. Hop. Alors, j'en mets ma touche par défaut. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mes touches qui lag de temps en temps. Je sais pas. Enfin, ma webcam qui lag, je sais pas pourquoi. Bon, la fois dernière, ça m'a fait ça aussi pour la Xeno Queen et au final, ça laguait pas. Oh, quel beau T-Rex. Je peux pas interagir avec lui, monter sur son dos, et il se réveille. Blablabla. Ça aurait été cool. Je crois qu'en fait, j'ai pris le parc totalement à l'envers. Je crois qu'en fait, c'était genre par là. Ah, attends, il y a un magasin d'armes. Est-ce qu'on peut acheter des munitions ou est-ce que c'est vide? Elle a réussi. Parce que tout cet argent que j'ai, ça doit bien me servir à quelque chose. C'est vide. Non, mais je pense vraiment qu'en fait, l'alpha que je suis en train de tester, ça fait partie du jeu que j'ai vu sur Steam. Et du coup, ça montre juste les l'environnement qui est autour. Mais perso, pour ma part, j'achèterai pas ce jeu parce que même si on peut faire des interactions et tout, voilà, c'est quand même une simulation de vie. C'est pas oufissime. C'est pas comme les Sims. Où tu peux... Oh pardon, je baille. Où tu peux discuter avec ton Sims, les faire évoluer, avoir des enfants, déménager. C'est, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, tu te balades dans la rue, tu fracasses des gens. En gros, tu te fracasses. Hein. Ouais, là, c'est vide. Hein. En gros, tu te fracasses, tu fais que ça. Hein. Oh là, je remonte. Regarde, là, il y a un panier de basket. Il n'y a même pas de ballon. J'aurais bien aimé marquer un petit coup, moi. Ah, je me disais, c'est quoi ce bruit? Mais c'est... Attends, je vais en remettre une à Michel. Et je prends la bagnole. Attends, je change mes touches. Voilà, je tourne tout doucement. On monte sur le trottoir. Voilà. Ouais, en fait, je pense que c'est juste pour montrer, en fait, le jeu. Il n'y a rien d'autre. Écoutez, bon, bah, je vais tarter des gens. Je vais tarter des gens et puis c'est tout. Je vais mettre des petites gifles. Voilà. Hop, on saute de la bagnole. Alors je rechange mes touches, voilà. Donc c'est parti. Eh oh, oh merde. Attendez. Non. Moi je mets des gifles. Tiens. Attendez, j'y retourne. Tiens. Ça va, le fait de mettre des gifles, je prends pas tarif parce que... Je pense que tout à l'heure, c'est parce que j'avais pris une arme ou je sais pas. Ça doit peut-être être ça. Mais regarde, même ça! Attends. Moi, ouais, j'arrive pas à interagir avec. Écoutez, il y a bien des gens là-bas à tarter. Ah bah, nickel, regarde. Eh, toi, oh, t'as mis des pouces rouges? T'as mis des pouces rouges? Tiens! Tiens! Regarde, voilà. Tiens! Pas! Voilà! Tiens, tu m'as pas mis mes œufs de Pâques? Pas! Tiens! Voilà! T'as pas voulu t'abonner? Voilà. T'as dit qu'Harry Potter c'était de la merde. Mais tiens. Attends. Voilà. Oh là. Ce qui m'attaque, reste couillon. Arrête Michel. Michel. Il fait du karaté Michel. Hitman. Mais attends, ils vont tous débarquer là. Non. Je ramasse le pognon. Je vais remettre une dernière mandale. On s'arrête là, mes petits loups. Il n'y a rien à faire. Ah, j'ai entendu un bruit genre un peu chinois. Ah. Oh putain. Fuck. T'as dit fuck. Ah ouais, this is police. Ouais, 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 ouais. Ah, stop, il disait peut-être. Ah là. La police que j'en fais, moi. Voilà comment je les mate. Attends, je prends ma bagnole, je me barre. Allez, salut. Vite, 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 faut se barrer. Allez, Kiki, vite. Fous le camp. Vite. Voilà, tiens, mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ils arrêtent ma bagnole. Ils arrêtent ma caisse. Mais non. Ils arrêtent la voiture, mais genre, mais d'où, depuis quand les policiers, genre, avec des petits bras, ils t'arrêtent? Mais n'importe quoi, depuis quand ils font ça, les flics? Sale flicaille là. Saloperie. Bon bah on va s'arrêter là mes petits loups du coup pour Dune Simulator. En attendant j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà c'est des petits tests. Alors ça peut être de très bons jeux comme je le dis parfois. Ou des jeux vraiment moyens ou des très mauvais jeux.
Perso, moi, je vous donne mon avis personnel, je n'achèterai pas ce jeu sur Steam si c'est bien lui que j'ai vu sur Steam, parce que je trouve que il n'y a pas grand intérêt. Il n'y a pas grand intérêt de jouer une simulation comme ça. Dans ce cas-là, va jouer aux Sims, on va gagner du temps. Même si pour ceux qui, s'amusent, enfin, veulent s'amuser à faire des conneries dans les Sims, tu peux pas, genre, tirer sur les gens, machin. Même si moi, j'aime pas le concept de tirer sur des personnes dehors et tout. Mais oui, c'est vrai que dans les Sims, tu peux pas faire ça. Mais je préfère, en termes de simulation de vie, je préfère dans ce cas-là jouer aux Sims parce que tu peux créer ta famille, déménager, faire de la déco et tout, machin, que ça. Donc, en attendant, je vous mets de toute façon le jeu dans la description au cas où. Dites-moi si sur Steam, celui que j'avais vu, je sais plus le nom. C'était Machin Simulator aussi. Et bah dites-moi justement si c'était bien lui en fait. Si c'est bien le petit de celui qu'on a vu, que j'ai vu personnellement sur Steam. Donc en attendant, n'hésite pas à t'abonner sur les réseaux sociaux. Twitter, c'est super important. Je crois que je veux dire que Twitter maintenant. C'est le plus important, sans déconner les copains. C'est vraiment là où je donne toutes les informations. C'est le plus important. Aussi, concernant Steam, il fallait que je vous parle d'un truc important. J'hésite maintenant à accepter les demandes sur Steam. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je vous accepte sur Steam et sur les autres réseaux sociaux parce que bah, je veux partager avec vous, si on peut jouer ça serait cool et tout. Mais le problème c'est que quand je suis sur Steam, que je tourne une vidéo ou que je joue, et ben je me fais remplir de messages et d'appels sur Steam et je ne peux pas désactiver les appels, je sais pas comment on fait. Et du coup j'ai le Steam qui sonne en boucle, c'est super désagréable. Après on me spamme de messages, pourquoi tu réponds pas, machin, moi, enfin c'est chiant. Enfin moi, quand vous me demandez, comme vous me dites coucou quoi que ce soit sur les réseaux ou sur Steam, bah, je vous réponds. Mais à partir du moment où vous commencez à me spammer, ça devient chiant. Et là, c'est vraiment du spam quoi. C'est franchement, quand je joue, j'ai la fenêtre pop-up et tout. J'ai désactivé tous les sons parce que ça me gonflait. Et là, le coup des appels, ça commence à me gonfler. Donc déjà, dites-moi si on peut désactiver les appels Skype, ça sera excellent. Si on peut les désactiver, je vous remercierai énormément. Et bah du coup, dites-moi ce que vous en pensez, parce que si ça continue comme ça, si je peux désactiver les appels Skype, alors c'est bon. Si par contre je peux pas, alors dans ce cas-là, bah j'arrêterai les demandes, les demandes d'amis sur Steam, parce que ça devient de moins en moins sérieux. Je veux bien jouer avec vous, je veux bien rigoler, mais malheureusement, il y a des petits malins qui le font exprès et qui sont là pour, emmerder. Et du coup, bah, c'est un petit peu dérangeant et ça bousille un peu le gameplay. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !